En 2014 et 2015, nous vivions constamment sous les bombardements. Le toit de la clinique a été complètement détruit. Nous l'avons restauré par nous-mêmes au deuxième semestre 2016. Le bâtiment était entièrement sans chauffage. Aujourd'hui, la Croix-Rouge a commencé les réparations ici. Il n'y avait pas de fenêtres, elles ont été soufflées. Grâce à des organisations caritatives, des fenêtres en plastique ont été installées. Dans le même bâtiment, il y avait une bibliothèque, une école de musique et une école artistique pour les enfants. Thank you.